Bonsoir, merci beaucoup d'être là pour cette conférence des outils pour apprendre sommeil, mémoire et lecture rapide. Alors, avec ces trois spécialistes très ferrés dans leur domaine, vous allez savoir comment mieux dormir. Je ne sais pas si c'est un problème que certains d'entre vous connaissent. Vous êtes très peu nombreux, j'en suis certaine. Il y a aussi comment lire de façon plus efficace aussi et comment organiser sa pensée. Ça, c'est ce qui est un petit peu plus subtil, mais vous allez tout comprendre lorsqu'on va vous l'expliquer. La lecture rapide, c'est essentiellement lire avec un pointeur, soit le doigt, soit le crayon. Le pointeur aide énormément, favorise énormément la concentration. Ça vous aide donc à mieux comprendre, à mieux retenir l'information. Et en lecture rapide, on fait des exercices de vitesse en vue de développer notre capacité à dire les mots très, très rapidement dans notre tête. Il n'y a rien de sorcier, c'est juste dire les mots très, très rapidement dans notre tête. Je vais faire une petite démonstration tout à l'heure. Il y a des habiletés avancées aussi qui sont travaillées, qui sont tous dérivés de, sont toutes dérivées de la, du survol. On va voir comme un survol avec une intention de lecture, un objectif clair. On peut aller tout de suite à l'essentiel, on peut aller chercher tout de suite ce qui est important. Souvent, quand je dis que je donne des cours de lecture rapide, on me dit tout de suite « Ah, la lecture en diagonale ». Alors, je n'enseigne pas la lecture en diagonale. Quand quelqu'un vous dit qu'il a lu un livre en diagonale, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il ne l'a pas lu. Alors, j'enseigne la lecture rapide, mais encore là, je préfère le mot « lecture efficace ». Parce qu'il y a des cours où on prétend d'arriver à lire à 1000, 2000 mots minutes. Il y en a même un qui s'appelle « photo reading », qui a été traduit en français par « photolecture », qui promet 25 000 mots minutes. Alors, disons que mes promesses sont plus modestes. Je promets d'en arriver à lire 2 à 3 fois plus vite que la vitesse de la parole. Alors, actuellement, je vous parle à une vitesse qui varie entre 150 et 200 mots minutes. Alors, 2 à 3 fois la vitesse de la parole, c'est entre 300 et 600 mots minutes, ce qui est plus raisonnable comme objectif. Il y a 2 ans, il y a une enseignante qui, c'est en France, une institutrice qui enseigne en CE1. CE1, c'est l'équivalent de la deuxième année. Ici, c'est les enfants de 7 ans qui est retournée chez elle et qui a mis en pratique ce qu'elle a appris avec ses élèves de 6-7 ans. Et je ne croyais pas que c'était possible. Elle m'a fait découvrir que c'était possible d'appliquer ces techniques avec les enfants. Je trouve que mes élèves ont énormément progressé en lecture cette année. Même les enfants en grande difficulté de lecture se sont bien accrochés. Alors ça, c'est en milieu d'année. Un peu plus tard, elle m'a écrit. Le réflexe du pointeur est pratiquement acquis par l'ensemble des élèves. Ce qui m'a le plus impressionné au cours de cette année, ce sont les enfants en difficulté qui ont acquis le goût de la lecture. Le fait de continuer à lire sans bloquer sur les mots difficiles est une très bonne technique, même si cela ne se met pas en place tout de suite, car c'est un peu déroutant. Un mois plus tard, elle m'écrit à la fin de l'année, c'est en fait le 30 juin, « Chacun de mes 28 enfants utilise le pointeur. De plus, ils ont tous bien progressé en rapidité, en compréhension de lecture et surtout, ils ont tous le goût de lire. De nombreux parents viennent me dire leur étonnement pour cette nouvelle passion. » Elle m'a dit que le tiers des parents lui ont fait des commentaires du genre « Elle me demande d'aller à la bibliothèque. On le surprend à lire. Pour cadeau, il a demandé à recevoir des livres. » Alors, pourquoi un pointeur? Parce que le pointeur permet un mouvement rectiligne de l'œil, c'est-à-dire un mouvement droit. On va voir tout à l'heure que l'œil va avoir tendance à se promener, à s'égarer, à faire un mouvement erratique. Pas érotique, hein, erratique. Le pointeur facilite le travail de l'œil. C'est plus facile pour l'œil de lire s'il est guidé avec un pointeur. Par contre, je vous dirais que certains participants à mon cours doublent leur vitesse de lecture. Alors, vous savez, si vous doublez votre vitesse de lecture en une seule journée et que vous vous mettez à lire 2 fois plus rapidement qu'avant, les muscles de vos yeux se trouvent à travailler plus fort et deviennent fatigués. Il y a une espèce d'endurance à développer. Mais le pointeur facilite le travail de l'œil. Il aide énormément à la concentration. Et le pointeur, c'est un geste spontané qu'on va faire lorsqu'on cherche un mot ou un nombre dans une liste. Vous avez toutes fait ça.
Dans les annuaires téléphoniques aujourd'hui, bon, ils sont plutôt rares, on les jette. On est même un peu insulté d'en recevoir. Mais bon, quand on a une liste, un nombre à chercher, un mot à chercher dans une liste, on va utiliser spontanément un pointeur. Pourquoi? Ça favorise la concentration. Quand vous prenez un pointeur, ce n'est pas prendre votre pointeur et le mettre dans le milieu de la page comme ça, ni pointer le début de la ligne, ni utiliser comme une règle. C'est faire un mouvement de gauche à droite. C'est guider. Ce n'est pas un mouvement passif, c'est vraiment là, un geste. On l'appelle le geste royal. Je ne sais pas si vous connaissez le geste. Le voici. Alors, c'est le geste qu'il faut faire, le geste royal. Ouais, elle fait comme ça aussi des fois. Il y a même des marionnettes, mais là, on la voit, elle le fait bien comme ça. Alors, c'est le geste royal. C'est faire un mouvement de gauche à droite. Il faut bouger la main. Alors, bref, le pointeur est au lecteur ce que la mire est au tireur, un outil permettant à l'œil de focaliser sur sa tâche. Il permet à son utilisateur d'atteindre son objectif. Pour le tireur, sa cible, pour le lecteur, le sens. Sur l'ordinateur, on utilise la souris. Ici, vous allez avoir une petite démonstration. Alors, vous voyez la jeune fille, ça, c'est des jeunes adolescents, 13 ans, qui suivent le cours liremieux.ca. Cette dame, la jeune fille, on la voit ici, elle n'a pas de souris, alors elle utilise le pavé tactile, ou trackpad, comme certains disent, et elle se guide avec le trackpad. Et on le voit faire un mouvement. Elle n'est pas en train de lire, elle est en train de s'entraîner, elle est en train de s'exercer à la lecture rapide. Elle parcourt un texte en ce moment à 1000 mots minute. Alors, à cette vitesse-là, elle ne comprend pas, mais elle est en train d'entraîner sa vitesse de perception, c'est-à-dire sa capacité à reconnaître les mots plus rapidement et surtout s'habituer à dire les mots très, très rapidement dans sa tête. OK. Maintenant, j'ai demandé la collaboration de M. Sarkozy. On va faire un petit exercice. Alors, bon, je ne vous demanderai pas de vous mettre le doigt dans l'œil, comme M. Sarkozy, mais je vais vous demander de faire un petit exercice. Le but de l'exercice, c'est de vous faire la démonstration que le pointeur empêche le mouvement erratique de l'œil, qu'il aide à faire un mouvement qui est plus fluide et qui est plus continu. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de fermer un œil et appliquer délicatement un doigt sur la paupière fermée. Et avec votre œil ouvert, faites un mouvement circulaire comme ça. Essayez de ne pas bouger la tête et faites un espèce de grand cercle. Est-ce que vous sentez que sous votre doigt, votre œil fait des mouvements saccadés? Il se déplace de façon régulière. Ce n'est pas un mouvement continu. Est-ce que vous le sentez bien? Maintenant, avec votre main libre, okay, pointez votre index et faites un grand cercle comme ça. Et suivez, sans bouger la tête, suivez votre doigt. Est-ce que vous voyez la différence? Le pointeur permet une lecture plus concentrée. L'œil se déplace de façon moins erratique sur la page. L'œil, naturellement, va avoir tendance à aller sur la ligne d'en haut, sur la ligne d'en bas, va avoir tendance à régresser. Le fait d'utiliser un pointeur facilite le mouvement rectiligne de l'œil. C'est plus facile de lire de cette façon-là. Alors maintenant, des exercices de vitesse. Pourquoi des exercices de vitesse? Allons à la base. Au départ, avec les enfants, on ne parle pas de vitesse, on parle de fluidité. La fluidité, c'est la lecture à voix haute, avec exactitude, à un rythme soutenu et avec une expression qui traduit la compréhension. Alors, lecture à voix haute avec exactitude. On veut que l'enfant ne bute pas sur les mots, on veut qu'il lise et qu'il évite les hésitations. Pour ça, il lui faut une bonne mémoire lexicale. Il faut qu'il ait mémorisé la forme des mots, la forme des syllabes, la forme des lettres. Et avec une fois qu'il a fait cet apprentissage-là, il va avoir une lecture qui va être sans hésitation. Il va moins buter sur les mots, moins hésiter. Il va réussir à avoir un rythme soutenu. C'est la vitesse, en fait. La vitesse qu'on cherche avec les enfants, c'est une lecture orale. Donc, on cherche la vitesse de la parole, environ 150 mots minute, et avec une expression qui traduit la compréhension, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'enfant débite passivement le texte avec aucune émotion. À ce moment-là, on ne sait pas vraiment s'il fait juste décoder ou s'il comprend. Alors, on veut qu'il donne une expression dans sa lecture. Tout à l'heure, je vous ai dit que le fait de continuer à lire sans bloquer sur les mots difficiles est une très bonne technique, même si cela ne se met pas en place tout de suite, car c'est un peu déroutant. Pourquoi? Okay. Elle a donné à ses élèves la consigne que maintenant, quand vous tombez sur un mot que vous ne connaissez pas, continuez. Okay. Ne vous attardez pas au mot. C'est un peu la même consigne qu'on donne lorsqu'on lit dans une langue étrangère auquel on n'est pas habitué. Mettons que vous lisez en anglais et que vous ne maîtrisez pas parfaitement l'anglais. Si vous vous arrêtez à chaque fois que vous tombez sur un mot que vous ne connaissez pas, vous n'avancerez pas dans votre lecture. Ça va vous prendre un temps fou à lire le texte. Et quand vous allez arriver à la fin, vous n'aurez rien compris parce que vous aurez trop mis l'accent sur le décodage, la compréhension de certains mots et non du texte. Alors, un texte, ça a du sens. Et le sens n'est pas juste dans les mots, il est dans les
phrases, il est dans les paragraphes. Et le fait, quand un enfant est constamment en train de se battre avec les mots, en train de s'acharner à essayer de décoder le mot, il n'est pas dans la compréhension, il n'est pas dans la recherche de sens. Et le plaisir, il vient de la compréhension. Donc, en disant aux enfants d'avancer comme ça, ils découvrent le plaisir de lire, ils découvrent, ils comprennent davantage, plus, et là, c'est intéressant de lire, on avance. Alors, cette consigne-là, elle vient de ce principe-là. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Mme Giasson. Mme Giasson était directrice, correctrice de thèse, en fait, et c'est une sommité au niveau d'enseignement de la lecture. Elle est maintenant retraitée, c'est sorti d'un de ses livres. Le bon lecteur, les très bons lecteurs, commettent très peu de méprises, qui changent le sens de la phrase, et ils les corrigent s'il en commet. Par contre, ils ne corrigent pas les méprises qui ne changent pas le sens de la phrase. Ça veut dire qu'un bon lecteur, il peut se tromper de mot, mais si le mot fait du sens dans le contexte, il va continuer sa lecture, il ne se corrigera pas. Ce qui veut dire que si votre enfant lit devant vous et qu'il se trompe de mot, que le mot fait du sens dans le contexte, il ne faut surtout pas le corriger. Le corriger, c'est de l'amener à le régresser, c'est de l'amener à revenir sur le décodage, alors que l'anticipation, parce que c'est signe qui a anticipé le mot, mais ce n'est pas le bon mot, mais c'est un mot qui a du sens dans le contexte. Et l'anticipation est une excellente stratégie en lecture. On est mieux de le laisser continuer. Et s'il ne se corrige pas, s'il ne se rend pas compte qu'il s'est trompé de mot et que ça brise le contexte, c'est signe qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Et s'il continue, que régulièrement il se trompe de mot, que les mots ne font pas de sens dans le contexte et qu'il ne se corrige pas, ça veut dire que le texte est trop difficile pour lui, qu'on doit lui donner un texte qui est plus facile pour qu'il puisse le comprendre. Lire rapidement, c'est pas rien de sorcier, c'est pas rien, ça ne fait pas appel à de dons spéciaux, à des phénomènes complexes du cerveau. En fait, c'est simplement se dire rapidement les mots de sa tête. Psychologie cognitive s'intéresse à nos pensées. Ici, il s'agit de penser rapidement, il s'agit de s'habituer à penser rapidement. Je vous l'explique, c'est un petit vidéo tiré du cybercours liremieux.ca. Bonjour, je suis Daniel Gagnon, le concepteur de ce cours de lecture rapide. Si j'interviens ici, c'est pour t'illustrer qu'il est possible de lire à différentes vitesses. Tu es déjà capable de lire à différentes vitesses. Par exemple, je vais te lire une petite comptine que tu connais bien. Je vais te la lire à une vitesse normale. Il était une fois un marchand de foie qui vendait du foie dans la ville de Foie. Il se dit « Ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foie ». Maintenant, je vais te relire cette petite comptine, mais beaucoup plus lentement. Il était une fois un marchand de foie qui vendait du foie. Bon, je vais t'épargner le reste. Et maintenant, je vais la lire, mais très, très rapidement. Je vais la lire à une vitesse presque trois fois supérieure à ce que je viens de faire. Il était une fois un marchand de foie qui vendait du foie dans la ville de foie. Il se dit, ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de foie. Tu n'as probablement pas très bien compris parce que j'ai dû mâcher les mots un peu. Mais c'est comme ça qu'on lit très, très rapidement dans sa tête. C'est en mâchant les mots. Tu n'as pas besoin, lorsque tu lis silencieusement, d'articuler chaque syllabe. Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas personne qui va te dire « et articule » quand tu lis. Alors, il s'agit tout simplement de lire les mots ou de les dire dans sa tête très, très rapidement. Et c'est ainsi que tu peux lire beaucoup plus rapidement. Maintenant, on va écouter le début d'une autre petite vidéo qui explique comment s'entraîner. Alors, juste le début. Le prochain exercice est un exercice de lecture extrême qui va durer 11 minutes. Alors, durant cet exercice, tu vas t'amener à lire à des vitesses folles. Alors, tu vas vivre la relativité des perceptions. Alors, pour commencer, on va te demander de lire à une vitesse qui correspond à peu près à 400 mots minutes. Alors, pour l'exercice, on va mettre le métronome, mais ce sera différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, à chaque fois que tu entendais le métronome, à chaque fois que tu entendais un toc, tu devais changer de fixation. Alors, cette fois-ci, à chaque fois que tu vas entendre un toc, tu devras changer de ligne. Alors, ça va ressembler à cela. Alors, vous voyez le principe? C'est comme ça qu'on s'entraîne à la lecture rapide. Ici, vous avez vu un petit extrait, mais c'est ça, on fait des exercices de ce genre-là pour développer la capacité à dire les mots très, très rapidement. Alors là, l'exercice, normalement, il commence à 400 mots minutes, on va à 600, 800, à 1000 mots minutes, comme on a vu la petite fille tout à l'heure, puis on revient. C'est ça la relativité des perceptions, c'est qu'après être allé à 1000 mots minutes, lorsqu'on revient à 800, bien 800, soudainement, c'est facile, 600, c'est pépère, puis 400, bien, on rit de nous autres, on est capable d'aller bien plus vite. Vous avez ici des échelles de vitesse qui...
lecteur lent, qu'il y ait moins de 100 mots minute. C'est tout, toujours étant la référence, c'est la vitesse de la parole qui est au centre. J'avais suivi un cours de lecture rapide en 1975, d'où des 40 ans de tout à l'heure. Alors, et en 1975, ça m'avait coûté 170 $. Je suis allé vérifier aujourd'hui sur la banque. C'est 800 $ en argent d'aujourd'hui. Ça durait 8 semaines, 3 heures tous les samedis matins. Qu'est-ce qu'on faisait pendant 8 semaines? Des exercices de survol. Et le lendemain du dernier cours, je me retrouve ici à la librairie de l'Université Laval, je prends un livre, je commence, première page, première ligne, premier paragraphe, je commence à lire. Je dis « Oups, Daniel, tu n'as pas fait ton survol, tu as payé très cher pour un cours que tu as suivi pendant 8 semaines, puis ça dit de faire ton survol. » Alors, c'est important le survol. Dans le cours, on voit plus de détails, aller chercher ce qui attire notre curiosité, aller à l'essentiel rapidement. Vous savez, au niveau de la lecture, ce qui est important, ce sont les idées. C'est ça qu'on veut retenir. Quand on dit « Ah, j'ai retenu le contenu d'un livre ou je n'ai pas retenu », si on parle des idées. La meilleure façon de retenir les idées, c'est tout de suite, après avoir lu, d'en parler. Tester sa mémoire. Mathieu Gagnon, notez ce nom-là. Mathieu Gagnon, c'est un professeur d'université qui produit des petites vidéos sur YouTube où il fait part de toutes les recherches sur la mémoire. Et il revient toujours, si vous avez, mettons, une heure pour lire, pour étudier, vous lisez un texte, au bout de 20 minutes, vous avez lu le texte. Si vous le lisez trois fois, ça va être moins bon que de lire une seule fois et après ça, de tester sa mémoire. Mais je vous dis, ce qui est mieux encore, c'est d'étudier avec quelqu'un, d'échanger, se poser mutuellement des questions, s'expliquer à chacun ce qu'on a compris. C'est la meilleure façon de mémoriser à long terme les idées contenues dans un texte. Petite conclusion, connaissez les légendes pédagogiques de Normand Baillargeon? Alors, écoutez, Normand Baillargeon a dit dans son livre, « Légendes pédagogiques » remet en question l'introduction en éducation de beaucoup de pseudo-sciences ou de cours qui sont basés ou de techniques qui sont basées sur les pseudo-sciences. Il recommande qu'on mette à l'épreuve de la science les nouvelles techniques qu'on veut introduire. Ça a beaucoup aidé la médecine dans les 100 dernières années avec la méthode expérimentale. On peut faire la même chose en éducation. Est-ce que les méthodes que je vous dis là, ce que je veux introduire, le pointeur et la vitesse dans les écoles, est-ce que ça a été testé scientifiquement? Non, ça n'a pas été fait. Par contre, c'est une des raisons pour lesquelles j'écris un livre, c'est que je souhaite qu'il soit testé scientifiquement. Écoutez, si vous êtes des chercheurs et si vous êtes des étudiants en éducation, vous êtes à la recherche d'un projet de maîtrise ou de doctorat, je suis très disponible pour participer à une recherche. Je suis prêt à mettre à votre disposition tous mes contacts, tous les données qu'il y a dans les... Il y a plusieurs centaines d'élèves qui ont suivi ce cours-là. Vous aurez accès à toutes les données. Vous aurez même accès aux enseignants. Alors, ça peut être un sujet de recherche, je pense, qui pourrait être passionnant. Un pointeur, ça ne coûte rien. Des exercices de vitesse, ça ne coûte rien. La lecture, bon, je n'ai pas à vous expliquer comment c'est important dans notre société. Alors, si on peut progresser avec une chose aussi simple, si on peut aider les enfants en difficulté à progresser, si on peut aider tous les enfants à lire mieux, ça me semble que ça vaut la peine d'investir dans cette recherche-là. Pourquoi le sommeil? Qu'est-ce que le sommeil vient faire dans cette thématique sur l'apprentissage? Bien, vous allez voir que le sommeil est très, très important pour faciliter les nouveaux apprentissages. Et il y a tellement de recherches là-dessus que moi, je vais faire un petit millimélo. Donc, pourquoi le sommeil est important? Il y a plusieurs raisons. Si on passe le tiers de notre vie à dormir, ça doit avoir une certaine importance. Mais au-delà de cela, le sommeil joue un rôle vital, que ce soit pour la santé physique ou la santé psychologique. Une bonne nuit de sommeil aussi assure une meilleure vigilance. On n'a qu'à faire une nuit blanche ou même dormir 3 ou 4 heures pour se rendre compte le lendemain que c'est très difficile de rester éveillé, de porter attention pour plus de quelques minutes. Donc, une bonne nuit de sommeil assure une meilleure vigilance et un meilleur rendement. Ça, c'est clair, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau des activités sportives, que ce soit au niveau du travail professionnel, une bonne nuit de sommeil va nous aider à produire un meilleur rendement. Donc, il est très important, et ça va être le message essentiel de ma présentation, c'est très important de faire du sommeil une priorité dans notre vie, au même titre qu'on en fait de notre alimentation et de l'activité physique. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se passe. On prend le sommeil pour acquis et c'est seulement lorsqu'on commence à avoir de la difficulté à dormir ou qu'on dort trop qu'on commence à y porter un peu plus attention. Comment ça se passe une nuit de sommeil typique chez un jeune adulte qui n'a pas de problème de sommeil? Essentiellement, il y a 5 stades de sommeil au cours d'une nuit.
Et on passe à travers tous ces stades-là. On commence ici, donc une période, ça prend peut-être 5-10 minutes dans cet exemple-ci pour s'endormir. En premier, on va passer dans un stade de sommeil qu'on appelle le stade 1, qui est un sommeil très léger, qui fait la transition entre l'éveil et un sommeil un peu plus profond qu'on définit par le stade 2. On fait quelques minutes, encore une vingtaine de minutes en stade 2, et après ça, on passe vraiment dans les profondeurs du sommeil, les stades 3 et 4. Et quand ça fait environ une heure et quart, une heure et demie qu'on dort, on est vraiment dans les stades de sommeil les plus profonds, les stades 3 et 4. On va rester là un petit bout de temps et graduellement, on va remonter à la surface en stade 3, en stade 2. Et après ça, on va avoir un premier épisode de sommeil paradoxal. Les bandes rouges de l'anglais, le sommeil REM pour Rapid Eye Movement Sleep, c'est le sommeil de rêve essentiellement. Ce n'est pas juste un sommeil où l'imagerie mentale est très intense. C'est une période extrêmement importante aussi pour la consolidation des nouveaux apprentissages. Donc ça complète un premier cycle de sommeil. On va en répéter un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a rien de laissé au hasard. Tout est très, très bien organisé. Les cycles de sommeil se répètent à intervalles relativement réguliers de 90 minutes. Ce qu'on peut voir aussi sur cette illustration, c'est que le sommeil profond, les stades 3 et 4, qui sont très impliqués au niveau de la récupération physique, prédominent dans le premier tiers de la nuit. Alors que le sommeil paradoxal augmente en durée et en intensité à mesure que la nuit progresse. La question qui nous est posée le plus souvent, les experts du sommeil, c'est combien d'heures de sommeil a-t-on besoin? Si on veut une réponse rapide, ça tourne autour de 8 heures. Mais tout de suite, il faut mettre un bémol là-dessus, c'est qu'il y a des différences individuelles. Donc, ça peut être 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Il y a vraiment des différences individuelles quant aux besoins de sommeil. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se faire croire qu'ils peuvent fonctionner avec 5 heures de sommeil. Mais dès le moment où ils ont une opportunité de faire la sieste le jour, ils vont s'endormir à l'intérieur de 2 ou 3 minutes. Et autant s'endormir rapidement peut être sain, ça peut être un signe pathologique aussi qu'on est vraiment en grande privation de sommeil. On voit que les besoins de sommeil vont être différents à travers les différents cycles de la vie. Si chez un adulte, les besoins de sommeil tournent autour de 7 à 8 heures par nuit, puis on voit que chez un nouveau-né, c'est plutôt 15, 16, 17 heures. Chez l'adolescent, ça va être plutôt autour de 9, 10, 11 heures. Et ça va diminuer graduellement. Et en vieillissant, ce n'est pas nécessairement le besoin de sommeil qui diminue, mais c'est plutôt la capacité de dormir de manière consolidée. Donc, les besoins sont toujours là, mais on se réveille plus fréquemment pour des périodes plus longues à mesure qu'on vieillit. Maintenant, si on n'a pas les heures de sommeil dont on a besoin, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les principales conséquences du manque de sommeil? C'est clair que la première conséquence, c'est la somnolence. La fatigue d'abord, et après ça, la somnolence. On peut être fatigué sans être somnolent, mais habituellement, lorsqu'on est somnolent, c'est précédé de fatigue. Donc, il faut distinguer ces deux concepts-là. Cette somnolence-là ne se traduit pas toujours par des épisodes de sommeil. On peut également avoir des épisodes de micro-sommeil, c'est-à-dire des périodes où on peut avoir les yeux ouverts, mais qu'on est essentiellement absent. Donc, si on enregistre les ondes du cerveau, on peut avoir des périodes de 2, 3, 4 secondes où essentiellement on enregistre du sommeil, même avec les yeux ouverts. Si ça se produit, que vous êtes assis sur une chaise comme c'est là, les conséquences ne seront pas trop fâcheuses. Mais c'est des choses qu'on peut même observer lorsqu'une personne est au volant d'un véhicule automobile ou d'un poids lourd. Avec la fatigue, va venir une baisse de motivation et possibilité d'endormissement pendant des activités peu stimulantes. De plus grandes difficultés à maintenir son attention, baisse de rendement scolaire, et à ça, on peut ajouter également les conséquences sur le plan des émotions, de l'humeur. On devient plus irritable, l'humeur est plus volatile. On a les résultats d'une étude qui démontre que plus ça fait longtemps qu'on est éveillé, plus notre performance cognitive diminue. Donc, on voit que la performance est relativement bonne jusqu'à environ 18 heures d'éveil consécutif. Donc, si on s'est levé à 6 heures ce matin, on va quand même bien fonctionner jusqu'à minuit ce soir.
Mais par la suite, on peut voir que la performance se détériore très rapidement, de telle sorte qu'après 21 heures d'éveil en consécutif, on estime que la performance à une tâche cognitive est équivalente à celle qui a un taux d'alcool de 0,08 dans le sang. Donc, encore une fois, ça nous dit qu'il faut faire attention et on ne peut pas pousser indéfiniment les limites en ce qui a trait à la force de rester éveillé ou du manque de sommeil. On a besoin de sommeil pour mieux apprendre et on a besoin de sommeil pour mieux consolider nos apprentissages. Ici, les résultats d'une étude qui a été réalisée à l'Université de Berkeley en Californie, où on a entraîné deux groupes d'individus à mémoriser une série de mots qui avaient une valence soit positive, négative ou neutre. Suite à cet apprentissage intensif, le groupe expérimental était privé de sommeil pendant 36 heures et le groupe contrôle dormait selon les normes habituelles. Et deux jours plus tard, une fois qu'il y a eu une période de récupération, on administrait la série de mots et on demandait de faire la paire du mot qui avait été pairé avec pendant la période d'entraînement. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de l'encodage était de 40 % moins bon chez les sujets qui avaient été soumis à une privation de sommeil suite à cet entraînement relativement à ceux qui avaient eu leur heure de sommeil normale. Donc, ce n'est pas tout de bien encoder ce matériel-là, mais pour qu'il reste dans notre mémoire, on a également besoin de sommeil. Et ça, il y a plein d'études qui l'ont clairement démontré. Une simple période de sommeil d'une demi-heure après une période intensive d'apprentissage va nous permettre de mieux se rappeler le matériel le soir suivant ou la journée suivante. C'est pas une bonne idée si on a un examen demain de rester éveillé toute la soirée ou jusqu'à 4 heures du matin pour se donner plus de temps à étudier. On est bien mieux de se préparer d'avance, de s'accorder le sommeil dont notre système a besoin et on va avoir un meilleur rappel de ce matériel-là au moment de passer l'examen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a des problèmes ou si on veut prévenir les difficultés de sommeil? Il y a toute une série de mesures qu'on peut mettre en pratique. La première, c'est très important de maintenir un horaire régulier de sommeil et de faire de notre sommeil une priorité. La deuxième, c'est de se donner une période pour décompresser avant d'aller au lit. Ça ne sert à rien d'étudier jusqu'à la toute dernière minute et d'aller se coucher par la suite parce qu'on ne peut pas tout simplement mettre notre cerveau à off et espérer s'endormir à l'intérieur de quelques minutes, à moins qu'il y ait une grande privation de sommeil. Si on n'arrive pas à trouver le sommeil à l'intérieur d'un délai raisonnable, 15-20 minutes, ça ne sert à rien de forcer la note. C'est préférable de sortir du lit, d'aller dans une autre pièce et de revenir au lit dans notre chambre à coucher au moment où on se sent somnolent. Pas juste fatigué, mais vraiment somnolent. Dans le sommeil, évidemment, c'est une activité où le cerveau est bien impliqué, mais il y a un processus de conditionnement également. Et si on passe trop de temps éveillé dans notre chambre à coucher sans être capable de dormir, on en vient à associer cet environnement-là avec la frustration de ne pas dormir plutôt qu'avec un sommeil rapide. D'autres consignes, c'est de réserver le lit et la chambre à coucher uniquement pour le sommeil et les activités sexuelles. Pas de lecture, pas de télé, pas de lecture rapide, pas de bavardage sur Internet, sinon cet environnement-là devient associé avec l'éveil et non avec le sommeil. Au niveau des horaires de sommeil, je mentionnais que c'est important de garder un horaire régulier. C'est vrai pour l'heure du coucher, mais c'est encore plus important pour l'heure de lever. Se lever à la même heure chaque matin, peu importe le nombre d'heures de sommeil qu'on a obtenu, ça c'est bien important, surtout si on est sujet à faire de l'insomnie. C'est un peu ce qui va nous amener à mieux synchroniser notre horloge biologique. Évidemment, si on est en grande privation de sommeil, bien on peut se permettre des heures de récupération le matin. Très important d'éviter les stimulants. Et ce n'est pas juste la caféine, la nicotine, c'est les boissons énergisantes aussi. Très important à éviter parce que souvent, elles contiennent davantage de caféine que le café ou le thé.
à éviter près de l'heure du coucher, mais il faut se rappeler que la demi-vie de la caféine est d'à peu près 4 à 5 heures. Donc, ça prend à peu près 4 à 5 heures pour éliminer 50 % de la substance stimulante. Donc, même pour les personnes qui prétendent qu'un café avant d'aller se coucher n'a pas d'impact sur leur sommeil, c'est pas vrai. Lorsqu'on enregistre le sommeil de ces personnes-là, on voit qu'il y a des périodes de micro-éveil au cours de la nuit qui fait que le sommeil est beaucoup moins réparateur. Même chose au niveau de l'alcool. On sait très bien que ça a un effet dépresseur sur le système nerveux central et ça peut nous aider à s'endormir plus rapidement. Mais on va en payer le prix dans la deuxième moitié de la nuit parce que lorsqu'on métabolise l'alcool, il y a un mini-syndrome de sevrage qui se produit et on est en manque. Donc, la deuxième moitié de la nuit, habituellement, est beaucoup moins réparatrice que si on ne prend pas d'alcool. Très important aussi d'éviter les sources lumineuses pendant la soirée. Qu'est-ce qui fait qu'on dort la nuit et on est éveillé le jour? C'est simplement que le jour, on est exposé à la lumière vive du jour et la nuit, on est dans la noirceur. La nuit, notre cerveau produit de la mélatonine, l'hormone de croissance, plein d'hormones comme ça. Mais si on est éveillé la nuit et qu'on s'expose à une lumière, ça va supprimer la production de la mélatonine et ça peut nuire à notre sommeil. Et ça, c'est vrai, pas juste avec une lumière fluo. La seule exposition à un écran d'ordinateur peut avoir un impact sur la production de la mélatonine. D'ailleurs, il y a une étude récente qui a démontré que si on compare un groupe d'individus qui lisent sur une liseuse pendant 3 heures le soir et un autre groupe d'individus qui font la même quantité de lecture, mais sur papier, ceux qui utilisent une liseuse vont moins bien dormir que si on lit sur papier parce qu'on est exposé à une source lumineuse trop près de l'heure du coucher. Donc, il faut faire attention et ne pas minimiser l'impact de la lumière, du bruit et des températures excessives. Et finalement, qu'est-ce qu'il en est de la sieste? Est-ce que c'est bon de faire une sieste? Non. Bien, si on est en manque de sommeil, c'est clair que la sieste peut être très bénéfique. Mais il faut faire attention. Si on fait une sieste, ça devrait être avant 15 ou 16 heures l'après-midi. Plus la sieste est faite près de l'heure du coucher, plus elle risque de perturber notre nuit de sommeil. Et plus la sieste est longue, plus elle risque de perturber notre prochaine nuit de sommeil parce qu'on va se trouver à hypothéquer, à emprunter du sommeil sur la prochaine nuit. Donc, si on est en manque de sommeil, on peut se permettre une petite sieste, 15-20 minutes en milieu de journée. Ça va vraiment nous redonner une meilleure vigilance, peut-être pour poursuivre notre période d'études et mieux emmagasiner, encoder le matériel nouvellement appris. J'aurais tellement aimé avoir ce genre de présentation-là que vous avez aujourd'hui. Je repense au nombre de parties que j'ai manquées auxquelles j'aurais pu assister si j'avais su mieux travailler. Alors, j'espère que vous en aurez au moins de plus. J'ai mis s'éloigner la brume de la prose et la promesse qui était faite sur l'annonce. Vous apprendrez à mieux structurer vos apprentissages pour pouvoir en tenir l'essentiel en économisant de nombreuses heures d'études. Est-ce qu'on peut vraiment? En passant, je n'ai rien inventé dans les outils dont je vous parle. Je ne fais qu'en parler, les utiliser et vous proposer de les utiliser pour en tirer les bénéfices. C'est des chercheurs d'Australie, d'Angleterre, des États-Unis, France, qui ont inventé ces outils-là. Alors, ce sont de vrais outils avec de la vraie recherche derrière, alors pas s'inquiéter. Alors, l'idée de ces outils-là, c'est lorsque vous les utilisez, vous allez tous être plus intelligents. Parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est de faire des liens. Et les outils que je vais vous montrer permettent, ils ont cette caractéristique-là commune de permettre de faire des liens plus facilement. Il faut savoir que notre cerveau fonctionne mieux dans le concret que dans l'abstrait, et aussi mieux quand on a dormi. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment qu'on doit littéralement, au sens premier, c'est pas une expression pour faire cute, là, se voir penser, c'est pas ça du tout. Il faut se voir penser pour pouvoir travailler de façon plus efficace. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on voudrait idéalement passer d'une compréhension qui est faible ou bonne, et on voudrait l'améliorer. Et le point commun pour faire ça, c'est quoi? C'est simplement d'avoir des outils qui sont des représentations visuelles. Faites-vous en pas, ça a l'air bien compliqué, mais c'est hyper simple,
qui vont nous permettre, sous le nom générique de carte cognitive, de se voir littéralement penser, voir qu'est-ce qu'on comprend bien, qu'est-ce qu'on comprend moins bien, où est-ce qu'on doit étudier, qu'est-ce que je connais déjà, est-ce que je devrais mettre mes efforts. Alors, c'est ce que ça va nous permettre de faire. Si je vous disais que j'ai déjà eu ces clients-là, c'est une liste importante. Si par contre, à la place de simplement les dire, je vous montrais une photo d'Hydro-Québec, de Desjardins, Autosécurité, qui est une compagnie qui fait des logiciels pour les aéroports, ça serait déjà plus facile à retenir parce qu'il y a un élément visuel qui se rajoute. Et si je rajoutais quelque chose qui touche peut-être quelques-uns, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Burton Snowboard, alors j'ai déjà travaillé pour eux. Alors, vous voyez, là, un élément sur lequel vous êtes peut-être un souvenir plus important avec du plaisir, vous avez plus de chances de vous rappeler que j'ai travaillé pour Burton que les autres. Alors, donc, des éléments visuels et avec un élément affectif. Là, on va voir si vous aviez bien dormi la nuit dernière. On va faire un petit test. Ça va être combien de temps ça vous prend pour reconnaître une personne? Alors là, attention, là, regardez bien l'écran. Il y a quelque chose qui va passer rapidement et vous devez me dire qui c'est. OK. Ça a duré une demi-seconde, c'est-à-dire 50 centièmes. On accélère. Vous êtes prêts? OK. 25 centièmes. On accélère. Vous êtes prêts? 10 centièmes. Et le dernier? Bien, celui-là, il est plus difficile. OK. 5 centièmes de seconde. Alors, 5 centièmes, c'est 50 millièmes. En laboratoire, on a réussi à faire de la reconnaissance à 13 millièmes de seconde. Et pourquoi on est arrêté à 13 millièmes? Parce que c'est tout ce que leur équipement permettait de faire en laboratoire. OK? Alors, ça vous dit quoi? Notre capacité à reconnaître, à voir les formes, reconnaître les visages, les éléments placés dans l'espace, c'est extrêmement important et on doit construire là-dessus. Il y a un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Brain Rules », qui a été traduit en français, qui s'appelle « Super cerveau » par un chercheur qui est biologiste moléculaire. Sa section sur l'usage de la vision, ce n'est pas de la psychopop, là, avec, il y a toutes les références, c'est vraiment quelque chose de très, très sérieux, très intéressant. Et on y apprend, évidemment, que la vision est le sens qui surpasse tous les autres. On y apprend aussi que si on rajoute un élément visuel, OK, pas juste du texte, on va avoir un gain important. Si on va vers un texte qui est concret versus un texte abstrait, on va avoir encore mieux. Et si on combine, autrement dit, images et texte par rapport à juste des mots, on peut avoir 6 fois la performance de rétention. Les mots, c'est bien. Voir, c'est mieux. Combiner, c'est encore mieux. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui utilisent des représentations externes pour se voir penser? En science, on utilise des modèles. En architecture, on utilise aussi des représentations externes qui ne sont pas des mots. Ah, d'ailleurs, on en utilise plusieurs genres. Des coupes. Des maquettes. En musique, on utilise des représentations externes pour se voir, penser, être capable de décrire notre univers. C'est tellement important que lorsqu'on veut se rendre plus proche de la réalité, qu'en Ontario, ils sont en train de construire une maquette de 35 millions de dollars. C'est qu'ils vont avoir des réparations à faire à un réacteur nucléaire, et ils font une maquette grandeur nature à l'identique pour planifier les travaux. Donc, plus on se rapproche du concret, meilleur notre cerveau. Le cerveau fonctionne plutôt que d'être dans l'abstrait. Un petit truc que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Comment mettre une selle de façon correcte et comprendre pourquoi ça doit être mis comme ça? Et avec ce genre de représentation extrêmement concrète, ça permet de voir en action un cheval qui est en train de sauter. Les vétérinaires, lorsqu'ils ont vu ça la première fois, ils ont dit « Enfin, je comprends tel type de problématique » parce qu'ils ont vu. Et vous, travaillez avec quoi au quotidien? Pas la même chose. Il faut avoir des outils qui vont nous permettre de discuter des idées avant de discuter, d'être s'accrocher sur les mots. Je vous passe une petite vidéo de 30 secondes. La personne, ce qu'elle va le faire, c'est qu'elle va apprendre un jeu de cartes. Mmh.
Alors ça, c'est apprendre un jeu de cartes, les 52 cartes brassées dans le désordre, en une seule lecture, en 22 secondes. Pourquoi je parle de mémorisation de cette forme-là? C'est que toutes les techniques de mémorisation sont basées sur quoi? Alors, tous les champions, que ce soit apprendre un jeu de cartes ou d'en apprendre 30 jeux de cartes en séquence, sont tous basés sur la création d'images mentales et d'associations. Et les outils que j'ai mentionnés tout à l'heure sont tous aussi basés sur les mêmes principes. Et il n'y a personne qui a fait des records de monde de mémorisation sans se baser sur la vision. Alors, ce monsieur-là, lui, en une heure, donc en allant très lentement, là, c'est-à-dire que 2 minutes par jeu de cartes, il est capable d'en apprendre 28 en une heure. Qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça? Oui? Quelques-uns? C'est ce qu'on appelle parfois carte heuristique, carte mentale, et ainsi de suite, on va le voir. Vous autres, vous utilisez beaucoup aussi des mémoires externes, à savoir, ou mémoire synthétique, un iPhone. Avec ça, on a beaucoup moins de choses à apprendre. C'est merveilleux. Alors maintenant, je vais vous parler des trois outils, des trois types de cartes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des outils qui nous amènent plus vers le concret? Pour une bonne réflexion générale, généralement, il faut élargir la réflexion, puis après ça, pouvoir mieux choisir. Alors, on parle pensée divergente, convergente, là, mais... Alors, je vous parle des cartes heuristiques, qui vient du mot « Eureka », qu'on appelle parfois « mind map », mais je vous fais remarquer que c'est une marque de commerce réservée. Parfois, les cartes mentales, les cartes d'idées, dans certaines écoles avec les enfants, ils appellent ça des pieuvres. Ça ressemble à ceci, mais aussi à ceci si c'est fait avec un logiciel. Ça, c'est une carte dans le cours que Daniel et moi, on a monté sur la mémoire ensemble. C'est la carte qui sert à montrer la technique pour retenir les noms des personnes. Alors, qu'est-ce qu'une carte heuristique? C'est simple. C'est des idées principales qui sont disposées dans l'espace. Et on utilise la couleur, on utilise des mots-clés, on utilise des images. Et il y a un élément essentiel que souvent on oublie de mentionner dans la littérature ou sur le web, c'est qu'une carte heuristique, règle générale, à moins que ce soit la vôtre, ce n'est pas un document qui peut voyager tout seul. Une carte, ça demande d'être raconté pour prendre son sens, pour avoir les nuances, pour avoir le détail. Et c'est ça qui fait qu'une carte va devenir mémorable et qu'on va être capable de s'en souvenir très longtemps. Il y a même, le Soleil, ou non, le Journal de Québec, Journal de Montréal, qui ont publié cette forme de carte sur le budget. Ça ici, c'est un autre exemple de carte toute simple que j'avais faite, qui était en fait ma soumission pour avoir le contrat chez Burton. Tout ce qui manque, c'est le prix. Alors, je n'ai pas fait de texte. J'ai mis mes idées à plat très rapidement sur une feuille de papier au départ. J'ai mis ça propre pour lui envoyer. On a discuté au téléphone et c'est comme ça que j'ai pu avoir le contrat, tout simplement en travaillant comme ça. Une carte heuristique, ça ne demande pas d'utiliser un logiciel, ça ne demande pas de dessin. Tout simplement, une petite feuille de papier, un crayon, on met ses idées à plat. Pas de phrases. Pour ceux qui en font déjà, ceux qui utilisent les logiciels, je vois très souvent des phrases. Vous passez à côté de 80% de la puissance d'une carte heuristique. Pourquoi? L'idée de ces cartes-là, de mettre des mots, c'est de faire un maximum de connexion entre les idées. Si vous faites des phrases, vous passez à côté de vraiment la puissance de l'outil. Là, des fois, les gens disent « Ah, oh, en faisant une carte heuristique, ça nous prend moins de temps à étudier. » Faux. Ça prend le même temps de base pour apprendre ces leçons. Parce que je vais devoir lire le texte, trouver le sens, trouver les bons mots-clés, créer ça dans l'espace, trouver des images pertinentes. Par contre, où est-ce que c'est payant? Dans 2 jours, quand je veux réviser ce que j'ai appris, la semaine d'après ou le mois d'après, je reviens sur ce que j'ai fait et littéralement, en quelques secondes, quelques minutes, je peux retrouver l'essentiel de ce que j'avais appris il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Alors, c'est sur la révision que c'est extrêmement payant. Il y a un autre outil qu'on voit beaucoup dans pour les études, entre autres les gens qui sont en médecine, sciences de la santé, on utilise pas mal les cartes conceptuelles. À un moment donné, je lisais un livre sur le fromage, je trouvais intéressant, mais il y avait beaucoup, beaucoup de définitions. Qu'est-ce qu'un fromage? Qu'est-ce que c'est? Avec quoi on fait le fromage? Et tout ça. Alors, je me suis dit, c'est un beau cas d'usage. Alors, la carte conceptuelle, c'est intéressant pour définir quelque chose, pour expliquer les différences. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce genre de diagramme. L'attention, ceci n'est pas une carte conceptuelle. Ça, c'est ce que j'appelle un diagramme à bulles. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque un élément essentiel qui donne toute la valeur aux cartes conceptuelles. Quelle est la différence? C'est que la nature des liens, les liens entre les concepts, je reviens, ici, on a des concepts qui sont dans des boîtes. Ça, ça ne rajoute rien par rapport à une carte heuristique et c'est visuellement
moins charmant et moins mémorable. Par contre, si je nomme la nature des liens, là, je vais chercher une précision absolument extraordinaire. Alors, pour apprendre, pour étudier, pour comprendre, pour raffiner nos connaissances, pour les valider, c'est un outil absolument fantastique. Alors, si on en met plus sur le fromage, on peut se concentrer sur une petite section. Alors, on voit qu'entre autres, on peut faire du fromage à partir du lait de brebis, de chèvres, de vaches. Et ce genre de représentation-là, si je voyais une énumération dans un livre, je lirais ça, puis je passe à autre chose. Si je suis en train d'étudier la production fromagère et je me pose des questions, ça m'amène juste cette représentation-là à me poser la question, est-ce qu'il existe d'autres types de fromages faits avec des laits de d'autres animaux? Et la réponse est oui, plusieurs fois. Ça peut être un peu complexe pour certains sujets, mais ça permet de représenter la complexité et d'être capable de la suivre beaucoup mieux que dans un texte. Et ça peut être très simple, comme qu'est-ce qu'une abeille? Troisième outil, l'arbre d'argumentation. L'arbre d'argumentation, visuellement, ça ressemble à un organigramme comme ce que vous voyez présentement. Les boîtes vertes, alors l'idée, c'est quoi? Alors, tous les étudiants qui sont au doctorat ou qui sont en train de faire leur thèse de maîtrise, vous devez utiliser l'arbre d'argumentation. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de proposer une thèse, puis vous dites que votre thèse, elle est bonne parce qu'elle est soutenue par telle idée, telle autre grande idée, telle autre grande idée, qui elle-même est soutenue par telle idée ou contredit, où il y a des objections et ainsi de suite. De mettre ça sous cette forme de représentation-là vous permet d'avoir une carte complète, de ne pas avoir de zone aveugle, de voir où vous êtes bien appuyé, de voir où vous êtes faible. Ça vous permet d'orienter où vous devriez faire vos recherches, dans quel domaine, quel type d'affirmation. C'est absolument indispensable pour aller à certains parties de plus. Alors, un couple qui est dans un party, un des deux, on ne dira pas qui, dit « tu devrais employer le couteau à beurre ». Et l'autre de répondre « c'est niaiseux ». Alors, le rouge, c'est une objection, ce qui est au-dessus. Alors, on peut continuer la discussion. Et pourquoi je devrais faire ça? L'étiquette des grandes occasions l'exige. Et on doit suivre cette étiquette-là. Enfin, sans rentrer dans les détails, ça, dans le fond, c'est une seule même idée. Les deux vont ensemble. Et on continue la discussion. Mais dit « pourquoi je devrais suivre cette étiquette-là? » Ben, il faut éviter d'avoir l'air frustré. Monsieur ne comprend pas, il faut lui faire la définition d'abord. Et ensuite de ça, on dit, bien, si tu veux continuer d'avoir des contrats de ces gens-là, si tu désires que je t'accompagne à nouveau dans tes sorties. Alors, vous voyez, peu importe le sujet, ce que la carte argumentaire permet de faire, c'est de rendre tout à fait explicite qu'est-ce qu'on est en train de dire. Dans un texte, tantôt je parlais sur une diapo de la brume de la prose, ici, dans ce genre de représentation-là, il n'y a rien de flou. Tout est explicite et mis à plat. Alors, ça permet de voir où est-ce qu'on est fort, où est-ce qu'on est faible, où est-ce qu'il y a des faiblesses, comment construire notre discours, comment construire notre argumentaire. Lorsqu'on a une présentation à faire dans tout ce qu'on pourrait dire, en fonction de à qui on présente, on est capable de choisir exactement la bonne piste et les meilleurs arguments en fonction de l'auditoire qu'on a et du temps qui nous est alloué. Les recherches, les vraies recherches, ont montré que ce type de représentation-là, dans les cours de pensée critique, permettait d'obtenir des résultats mesurés 4 fois supérieurs. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour être beaucoup plus efficace, passer beaucoup moins de temps, je dirais pas d'arrêter d'écrire, mais d'arrêter de faire des textes. Utilisez des modes de représentation où vous allez écrire des mots qui vont être situés dans l'espace en fonction d'une représentation qui va vous permettre de mettre plus de temps sur les idées, les connexions entre les idées, plutôt que sur les mots. Ça nous permet de débattre entre collègues ou nous-mêmes ce dont on parle, donc de définir, comme avec... la carte conceptuelle, de débattre des idées, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de faire un choix conscient des idées parce qu'on a la carte complète et non pas un texte un peu difficile à comprendre, permettre de discuter de l'ordre de présentation des idées, sur le comment présenter les idées, et après ça, bien évidemment, de mettre ces choses-là en mots. Pourquoi on a toujours besoin de ce type de choses-là? Parce que lorsqu'on communique entre deux personnes, la vision de l'auteur, elle est les règles générales bien structurées, alors que la vision de l'auditoire va être beaucoup plus séquentielle. Alors, si on a des modes de représentation et pour construire nos connaissances et pour discuter avec des collègues ou faire des réunions, ça nous permet d'aller plus loin. Il y avait des diapositives au début qui mentionnaient mon nom. J'ai été présenté. Quels sont ceux, sans regarder sur les feuilles ou les notes, levez la main, ceux qui seraient capables de dire mon nom si je vous le demandais. Vous voyez, c'est à peu près 5% de l'auditoire. On va faire un petit truc, très, très rapide. J'ai un petit objet ici.
C'est un mortier avec un élément qui s'appelle le pilon. Il est en pierre. Mon nom est Pierre Pilon. Quand je vous dis qu'on en retient mieux avec des images et des choses concrètes, je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, j'aurais des questions à vous poser. Par exemple, M. Pilon, est-ce qu'il y a un domaine pour lequel les cartes que vous venez de nous décrire, de nous montrer, ne fonctionnent pas? Non? Non. Ça va vraiment dans tout? Oui, oui, tout à fait. Entre autres, l'outil le plus polyvalent, là, c'est certainement la carte heuristique. On peut commencer toute discussion, toute réflexion, toute lecture résumée par la carte heuristique. Et ce qui est intéressant de ces modes de représentation-là, à un moment donné, on se rend compte très vite qu'en fonction de la réflexion que je suis en train de faire, surtout avec la carte heuristique, que non, je suis mieux de... Finalement, je suis en train de décider que je veux acheter une automobile. J'ai déjà trouvé, en faisant ma carte, les caractéristiques, différents modèles, bien, que la carte n'est plus le bon outil pour le faire. Bien, je m'en vais dans Excel, puis je vais continuer. Donc, même en commençant ma carte, si je vais devoir changer d'outil plus tard, je vais m'en rendre compte beaucoup plus tôt à cause du processus de réflexion que je peux voir. Il y en a beaucoup qui aimeraient ça, hein? Et il y en a beaucoup qui essaient de se le faire croire. Et on entend toutes sortes d'anecdotes sur des présidents, des premiers ministres qui fonctionnent avec 4-5 heures de sommeil. Mais ces gens-là, tôt ou tard, ça les rattrape et ils vont faire la sieste, la fameuse sieste, la power nap. Souvent, c'est suffisant pour leur donner un deuxième souffle pour compléter la journée. Mais habituellement, nos besoins de sommeil sont déterminés, si on peut dire, biologiquement. Et c'est très difficile de modifier ça. Ça ne veut pas dire que si on a besoin de 9-10 heures à un certain âge, que ça va toujours en être ainsi. Ça peut se modifier légèrement, tout simplement sur une base développementale. Mais si après une nuit de 8 heures, on n'est pas vigilant, on n'est pas en mesure de demeurer vigilant le lendemain, et que ça se répète régulièrement, bien, soit qu'on a besoin de plus de sommeil, c'est la première chose qu'on devrait essayer, ou il est possible qu'on ait un trouble du sommeil. À ce moment-là, ce sont les techniques de lecture dynamique. Et la lecture dynamique, comme je vous disais, c'est basé sur le survol. Vous avez beaucoup d'informations à aller chercher. Le survol permet de voir l'organisation sexuelle. Ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est secondaire? Ça nous permet de voir ce qui attire notre curiosité, ce qui encore peut nous servir. Et on se permet, donc, on a une grande quantité de choses à lire, mais on doit commencer par lire ce qui attire notre curiosité, après ça, ce qui peut nous servir, qui répond aux questions qu'on se pose. Et à chaque fois qu'on avance dans cette lecture, ça suscite en nous des interrogations. On veut en savoir davantage, et là, ça crée la motivation pour aller lire ce qui est secondaire. Il ne faut pas oublier que la mémoire est sélective aussi, dans le sens qu'on oublie rapidement ce qui ne nous sert pas et ce qui ne nous a pas marqué. Il arrive un temps où il y a de l'information qui est due par cœur pur. Je me souviens, entre autres, avec cette personne-là, c'était système endocrinien, où il y avait une série de trucs à apprendre. Je ne me souviens plus qu'est-ce que c'était, mais il y en avait 12 ou 14 à retenir. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé, et ça, les techniques de mémorisation sont basées beaucoup là-dessus. On essayait de retenir, si je me souviens bien, c'était les hormones, de retenir, de regrouper. Est-ce qu'il y avait des thèmes? Est-ce qu'on pouvait regrouper les hormones, au moins pour avoir des classifications? Au lieu que ça soit 9 éléments disparates, on en faisait 3 catégories, 2 sous-catégories. Et en bout de ligne, là, on utilisait des moyens mnémotechniques classiques, comme vous apprenez beaucoup en médecine. Il y a d'ailleurs des livres en médecine qui sont basés sur des moyens mnémotechniques pour faciliter l'apprentissage. Si on navigue sur l'Internet, c'est incroyable le nombre de produits qui sont dont on fait la promotion, qui sont supposés d'améliorer le sommeil, la mémoire, ci ou ça. Je pense qu'il faut être prudent. Et on est tellement inondé d'informations. Puis pour le sommeil, il faut l'être doublement, parce que souvent, les gens qui ont des problèmes de sommeil sont désespérés, ils sont prêts à utiliser n'importe quoi avant d'aller voir un médecin. Ce n'est pas parce qu'un produit naturel qui est sans danger.
Donc, peut-être les seuls qu'on pourrait, qui ont été démontrés avoir certains effets hypnotiques des produits naturels, c'est la valériane, qui vient à la base des racines d'une plante, que ça peut avoir un effet, mais c'est quand même très modeste. Quelqu'un qui a un entraînement régulier, aérobique, d'intensité modérée, va habituellement dormir plus profondément. Et ça, il y a des recherches qui l'ont clairement démontré que les personnes âgées qui ont moins de sommeil profond, si on les engage dans un programme d'entraînement, ils vont améliorer la qualité de leur sommeil. Mais il ne faut pas s'entraîner trop près de l'heure du coucher non plus, parce que ça va nous stimuler et ça va perturber le sommeil. Souligner au moment où on lit, c'est une très mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore ce qui est important. Alors, on risque de souligner des choses qui ne sont pas importantes. On risque de passer par-dessus des choses qui sont importantes. Et surtout, plus grand danger, on risque, plutôt que d'être un lecteur, d'être un surligneur. Hein. Un lecteur cherche du sens, un surligneur cherche à surligner. C'est très documenté, ça.